Good morgen, allez Iden, ce sera aujourd'hui le Lonishmat Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batarina. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Sota Perekret, Mishnah Vav. Vehaya Kechalot Ashoterim, le Daber El Aam. Ufagdu Saret Zvaot, Berosh Aam, Uvaakevo Shel Aam. Maamidim Zekifin, Lifneem, Vahareye, Vahirim Meahoreem. וחשילין של ברזל בידיהן, וכל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו, שתחילת ניסה נפילה, שנאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, ולהלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים וגומר, פור פינון לפזוק. והיה, on continue le, donc le déroulement de la sortie en guerre. On avait le Kohen Mashouach Milchama, qui faisait la première déclaration, que vous allez partir, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Après, il y avait les Shotrim, les responsables, les policiers, qui s'occupent ensuite de déclarer celui qui a marié une femme, qui a pas eu l'occasion de la... qui a fiancé une femme, qui a pas eu l'occasion de la marier, celui qui a construit une maison, qui a pas eu l'occasion d'y habiter, celui qui a planté un verger. On avait appris ensuite tous les différents trois sortes de niveaux de personnes, des gens qui ne bougent pas de chez eux, des gens qui doivent partir mais rester à la... qui est resté, ce qu'on avait dit, comme en défense passive, un petit peu en arrière pour en fait aider les combattants, mais sans partir au combat, et ceux qui veulent partir au combat. Après, on avait parlé qu'il y avait encore une autre sorte de personnes qui devaient aussi quitter le front, c'était ceux qui avaient peur. On avait expliqué dans la mission précédente, c'est quoi avoir peur, ça implique quoi? Peur de ses avérotes ou peur concrètement? Il y a une petite marloquette. Ensuite, notre Mishnah continue en me disant, si vous prenez en fait la paracha là-bas, de Kitetsé, où on va parler de la guerre, vous verrez qu'on a en fait expliqué tous les pasouk un après l'autre, et le dernier pasouk, il finit en me disant « Vaya kechalot ha-shoteirim ledaber el ha'am » et il sera, lorsqu'ils termineront, les policiers, les daber el ha'am, de parler au peuple, « ou fakdu » et ils nommeront « saret tzvaot » des généraux de guerre, Berosh Ha'am, qui les placeront en tête du peuple, ou Va'akevo Shel Ha'am, et à l'arrière du peuple, au talon du peuple. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a fini de parler, de déclarer tout ce qu'il fallait déclarer, eh bien, on va nommer des responsables, d'accord, des sergents, des généraux, des colonels, chacun selon les différents niveaux, on va en mettre en tête et en mettre à l'arrière. Alors, la tête, c'est bien connu, parce qu'on a besoin. Des gens forts qui partent en avant. En arrière, pourquoi est-ce qu'il fallait mettre des responsables aussi à l'arrière? Alors là, la Mishnah va nous l'expliquer. Ma'amidin zkifin lefenen. Il fallait d'abord mettre des zkifin devant eux. C'est quoi des zkifin? Alors, il y a une petite marque sur la définition exacte, mais zkifin d'abord, ça vient du mot qui vient zokef. Zokef kefufin, qui redresse. Il faut mettre des redressants en tête. C'est quoi des redressants? Alors, il y a le Bartanora, il va nous expliquer son Rashi, qui va nous dire des zkifin matériellement, des gens que lorsque on part au combat, on est chacun sur son cheval, ou je sais pas, on va tous se battre, il y a des gens qui tombent, il faut les relever vite. Donc, il faut des gens forts, qui sont à la fois capables de combattre d'une main et de lever le copain de l'autre côté. Ça, c'est des zkifin parce qu'ils doivent relever les autres. Ou tout simplement, il y a le, je crois qu'on porte au nom du Rambam, qui nous rapporte. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne le retrouvais plus, mais c'est pas grave. Je l'ai vu tout à l'heure, du gars, je suis sûr, j'ai vu quelqu'un qui expliquait aussi que des skiffins, des gens qui vont les relever moralement. On va y aller, on va les éclater, on va les défoncer, on va gagner. D'accord? Ça, c'est pour les skiffins, on les met en tête. Et pourquoi il fallait des gens à l'arrière? Et on en mettait d'autres aussi derrière eux. Qu'est-ce qu'ils devaient faire ceux qui étaient derrière eux? Attention, regardez là, ça va être très 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 sévère, mais. Regardez comment c'est important pour le moral. Vechashilin shel barzel biden. Et on leur mettait des lattes de fer dans leurs mains, ceux qui étaient derrière, waouh, avec qui ils vont se battre. Vechol amevakesh lachazor, et toute personne qui voulait ensuite quitter les affrontements, areshut beyado lekapach et chokav, il avait le droit, le fameux responsable qui avait la barre de fer en main, il avait le droit de lui frapper sur les cuisses et lui casser les pieds. Regardez même le mot, le Bartendroit, comment il va être violent. Il va nous dire qu'il va l'ishmor, je ne sais pas,
Non, c'est pas... Oui, le kapach et chokav, l'artor et chokav. Couper ses cuisses. Il le rendait invalide, il lui coupait les pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Chez Trilat Nissa Nefila. Car, littéralement, le début de la fuite, c'est la tombée. Ou plutôt, faut inverser les mots comme ça, nous dit le Bardano. Aussi, on a la Gemara. Chez Nissa Trilat Nefila, ou Trilat Nefila, Nissa. Si tu veux voir ce que l'ennemi va commencer, dès qu'il commence. Dès qu'on commence à se retirer et à repartir en arrière, c'est à la fin, c'est sûr qu'on va finir par tomber. Et sur ça, on va apporter des psukim qui vont nous dire chez Néhémar, comme il nous dit le verset, Nas Israël, les Philistins avaient dans la guerre là-bas, une des premières guerres détaillées contre les Philistins à l'époque de Shmuel Hanavi avec Eli HaKohen et tout ça, avant que Shmuel. Non, déjà quand Shmuel il a commencé à devenir le prophète, il y avait là-bas Eli HaKohen, il y avait une guerre. Et là-bas, on avait dit Nas Israël les Fine Pelishtim. Israël s'est enfui devant les Pelishtim. Vegam Magefa Gdola et Tabam. Et il y a même eu aussi une grande épidémie dans le peuple. Donc on remarque que, au moins dès qu'ils ont commencé à fuir, le passage nous précise qu'ensuite, il y a eu l'épidémie. C'est une preuve qui est un petit peu faible. Donc, en deux mots, on veut pour le moment apporter de ce passage que lorsqu'on fuit, c'est que ça y est, on va tomber. C'est le premier signe. C'est le détonateur de la perte de la guerre. Le détonateur, qu'est-ce qu'il va faire dès qu'on commence à fuir? On est là, tous on se rappelle, donc il y en a un qui commence à repartir en arrière, tout le monde part en arrière. Et donc c'est ce que Passouk semble nous dire. Le seul problème, c'est que une magéfa, une épidémie, c'est pas lié. On n'a pas envie de mettre on a envie de mettre en exergue le côté que dès qu'on commence à fuir, l'ennemi va nous prendre le dessus, il va nous gagner. Or là, s'il y a une épidémie, ça n'a aucun rapport avec l'ennemi. C'est pour ça qu'il fallait rapporter un autre Passouk, oh là là, non, mère, et plus loin, il y a un autre Passouk qui nous dit. Ils se sont enfuis, ils ont fui la guerre, les Bnei Israël, devant les Plishtim, et ils tombèrent en quantité violente de cadavres qui sont fait assassiner, par les, qui sont morts au combat, par les Plishtim. Donc là, on remarque que lorsqu'on commence à fuir, ben ça y est, la fin de la guerre, on va la perdre forcément. Parce qu'on a le moral tout simplement qui faiblit. C'est pour ça qu'il fallait, pour pouvoir maintenir le moral. Si vous vous rappelez, dans la chapitre précédente, il y avait même des avis qu'on a dit, celui qui a peur qu'il se retire, mais une fois que tu as décidé de rester, alors tu restes. Et maintenant, pour que tu n'aies pas de début d'éventuelle idée de vouloir repartir en arrière, on va mettre aussi des gens que tu n'as pas intérêt à repartir en arrière, on va te massacrer. Donc du coup, maintenant, tu vas bien comprendre, ta tête et tes yeux, ils sont rivés vers l'ennemi pour aller dans leur sens et les combattre et les gagner. Et les vaincre. Sans aucune idée, aucune arrière-pensée d'une éventuelle fuite au cas où il n'y a pas. T'es là-bas, tu te bats jusqu'au bout, et comme ça on gagnera la guerre. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.